Oh putain! Oh le misclic! Enfin ça va, il se barre au bon côté. Non, il se barre pas du bon côté justement! Bah, ils vont à Metz quoi! Bah oui, je voulais pas qu'ils aillent à Metz! Mais pourquoi tu voulais pas. T'aimes pas Metz? Non, mais je voulais à Metz, ouais! Metz, hein! ça vaut bien une Metz, hein! Ouais! Bon! La Belgique est libérale! Ouais, la Belgique est free! J'ai vu là l'italien là, la province italienne. Mais pourquoi t'as pas viré les italiens encore? Mais je sais pas, je sais même pas ce qu'il faut. Oh putain, oui, il y a que des QG. L'italien il a amené deux QG et ils vont plus vite que tout le monde. Bon, je vais reculer de Tucson. Putain, cette boucherie à Klagenfurt. T'as combien? Parce que je vois pas les pertes. Un ratio de 1 pour 5. L'Italie, bah attends, je suis en montagne retranchée. Non, mais même pas, je parle à Upon. Tu sais, t'es en train de saigner l'italien, Pépé? Ouais, il est en train de prendre sa glace. Hein. L'italien, là, sur cette bataille, il est à. Il a infligé 40 000, il a pris 55 000. Ouais, le truc de montagne avec des fortifications pour passer. C'est dur. Ah, t'as arrêté à Klagenfurt? Ouais. J'aurais pu finir par repasser, mais là, je crois que j'aurais dû quand même tuer. Ah, j'ai 9 divisions fraîches qui arrivent. Le pire, c'est que c'est la division qui a soutenu, qui a pris sa glace, quoi. Je connais la transfusion sanguine. Ouais, pareil, je viens de le faire à l'instant, mec. Dis donc, le chat, c'est pas que t'es un peu lourd, mais... Allez, on va voir si j'y suis. Tu joues avec ton chat sur les genoux? Ouais, comme d'habitude. Sale bête. T'aimes pas les chats, Pépé? J'aime personne. Non, ça c'est ma remarque. J'aime personne. Ah non, moi je suis profondément misanthrope, j'aime pas les gens. En fait, la seule personne que tu aimes, c'est toi. Bah ouais, j'ai une énorme glace, des fois je mets mon masque de Shrek et puis je me masturbe devant mon miroir. Ah ouais, t'es beau Camille. Ah, c'est ça. Là je suis en train de remettre de la force dans mes divisions parce que j'avais besoin de 32 renforts pour que tout remarche à fond. Là je suis en train d'envoyer toute ma jeunesse au front. À l'abattoir tu veux dire? Ouais. Ah oui, alors que Nicolas II, lui, est tranquillement dans son siège de velours, là, avec des putes de jour. Hein. Ah, mais historiquement, il est parti sur le front. Hein. Ah ouais, Nicolas II, il a guerroyé un peu, Nicolas II. Il est à partir de... Je sais plus si c'est en 1915 ou 1916, il est parti sur le front, sur l'état-major. Il était plus dans son palais. Hein. Ah, je savais pas. Et c'est à ce moment-là que c'est parti en quenouille, d'ailleurs. Ouais, parce qu'il était plus là pour surveiller les des singes. Oh putain, 75 divisions qui arrivent à Arlon. Ça va faire une grosse bataille. Oh, plus 6,25 d'organisation par jour, c'est bon ça. Putain, c'est super, ouais. Le Luxembourg est maintenant anglais. Il va peut-être rebasculer allemand. On va voir, je sais pas qui va arriver en premier. Oh, la milice 1897, tu mens. T'as vraiment pas honte, hein. Non, mais... Non, c'est des Égyptiens. C'est bien, toi. Non. Rien à foutre. Je m'en branle. Ah, mais c'est ça, hein. Oh là là, ça y est, y a toute l'armée qui arrive. Oh là 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 là. Trop bon. 1 sur 10. 1 pour 10 presque. Ah non, c'est équilibré. Ça serait équilibré au début. Oui, ça serait équilibré très vite d'ailleurs. Oh la vache, 74 divisions quoi. C'était le temps que la masse arrive quoi. La masse de France, elle est. Putain, je saigne mes mecs ici et ça passe pas. On est déjà à 100 000 morts. Où ça? Présente Sil, je le présente Nils. Ah oui, ouais, y a des fortifications. Il y a trois de fortifications. Hein. Pas... Ouais. Allez, Chouan, tu veux jouer? On va aller jusqu'au bout là. Ah, Saarbrücken, regarde! On est à combien là? Il y a trop d'unités différentes maintenant. Il faut voir avec moi. On est déjà à plus de 100 000 et c'est que l'allemand, on compte sans compter l'austro-hongrois qui a 10 000. Ouais. Oh là 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 là. C'est un commandant qui a trouvé la mort. Oh là là! Oh là là, bah alors les Anglais, les Anglais c'est 20 000 avec les Allemands, alors les mignons ils sont à 100 000 des deux côtés. La révolte de Pâques. Oh non, c'est les Irlandais. Ah ouais. En 1915, c'est ce qui est arrivé. Avec Colin, que le mec s'appelait. Ah oui, Michael Collins. Colin. Michael Collins. Et son lieutenant, c'était De Valera. Hein. C'est De Valera à trahi Collins. Ouais, mais attends, t'es en train de passer à Eupen, à Metz. Non, justement, à Metz, la messe est dite hein, pour mes soldats. Oh, laisse tomber, quoi. Putain, mais voilà, je t'ai tué 800 personnes, tu m'as tué 16 000, quoi. C'est ça d'attaquer les fortifications 10, hein. Mais ouais, mais bon, normalement, t'es plus fortifié, donc.
t'es attaqué. Oui, mais les fortifications, elles ne boostent pas. C'est, tu confonds fortification et être retranchement. En fait, la fortification va, genre là, avec 10 à mes ou 8, je vais annuler genre 70% de ton attaque, en fait. Je baisse tes stats d'attaque. Putain, mais tu me fais mal, là, Weapon, là, putain. Oh là 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 là, Luxembourg, on en est à combien, là? Ah ouais, mais là, le Luxembourg... Putain, on en est à 270 000 L'Allemand, sans compter l'Austro-Hongrois, qui est à 20 000, on est à 300 000, on est à 300 000, c'est la plus... Ça reste très équilibré, en plus, niveau perte, hein, plus ou moins. C'est la plus grosse bataille. J'ai enfin ma division d'infanterie avec des super artilleries super lourdes. Ah, ça y est, ça sort. Ah non, 400 000 en fait au total. On arrive à 400 000 maintenant. Parce qu'il faut Réunir et puis il faut voir les minions quoi. Ouais, c'est ça. 184 000, oh putain, ouais, oh là là là. Allez, on va battre le record du monde là, mec. Allez, on y va. En plus, là, c'est moi qui suis en train de craquer là. Ah, je peux plus, j'arrête là, je suis mort. Surtout que tu vas passer à Weapon, tu vois. Pépé, on vient de perdre 200 000 hommes là. Où ça? Bah là, à la ville qui a un nom à faire. Ah oui, putain, ouais, je me suis fait. Mais ça, j'ai perdu 150 000 hommes. Bah là, on a perdu 50 000. 1 pour 3. Là, t'as fait le port hein, sur cette attaque. Hein. Ah ouais, la bataille du Luxembourg, elle restera dans les annales. Hein. Ouais, hein, dans l'annale de nos généraux. Oh, mes divisions sont dans ces états. Oh. Elles sont désorganisées au possible. J'ai pris 200 000 pertes, j'en ai infligé 150 000, putain, c'est moi qui ai... Mais bon, tu tiens la position, tu vois. Et à Weapon, ça va sûrement passer, ouais. Putain, le Luxembourg était annexé à la Belgique. Allez, on retourne à l'assaut. Ouh, le rouleau compresseur. Oh là là, 33 divisions qui attaquent. Oh là là, ça va faire mal. Et encore, je suis même pas sûr de passer. Oh là là, ici, 50 divisions qui attaquent. Putain de merde. German Strike for Peace. Plus 5% de 17, je suis monté à 8. Il est pas bon d'être allemand là en ce moment. Ah non. Écoute la voix de la paix. C'est le vœu de Jésus. Ouais, Jésus le pakistanais là. Enfin, non, le palestinien, pardon. Tu veux dire Résus le portugais, celui qui construit des murs. Parce que Résus avec une truelle, il te fait le mur de Berlin. Hein. Vous pouvez envoyer vos messages à tout plafait pour un chaussée. Oh putain, Russie! Oh Russie, les pertes que tu prends! 70 000 tués déjà! Ah, c'est beau, hein! Ah là, je saigne! Ah bah alors là, Agdinia, c'est affreux! Y'a combien de pertes? Bah là, maintenant que j'ai perdu un peu mon retranchement, on est à 100. Oh là là, t'as pris 85 000, 140 000, on est à 140 000 quasiment! Ah, j'ai mes renforts qui viennent d'arriver. Putain, ils sont super. Allez, je suis en train de gagner à Gidna. Mange ça, Younstar. Ouais, ça me fait chier. On est à 180 000 morts, mais putain, c'est 100 000 morts par jour. Quoi. Putain, il y a une énorme, une monstrueuse bataille par semaine. Bon, allez, j'arrête. Oh, mais continue. Oh putain, 200 000 morts. Ah, sale, oh mon dieu. Sale. On s'est salement massacré, hein. Toi qui aimes ça. Oh nom de Dieu. Et puis, là, l'autre. Sidley, c'est pas mal non plus, hein. Là, on a passé la barre des 110 000. 110 000 morts. Dis-lui d'arrêter. Oh là 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 là. Mais ouais, mais ça me saigne, moi. Là, je suis obligé de foutre des points dans le renforcement. C'est ça le but. Moi, je peux me le permettre. J'ai limite été forcé d'abandonner la frontière grecque pour tenir l'Autriche. Et je suis en... Et c'est encore attaqué à Innsbruck. J'ai un QG avec de l'expérience, quoi. Pépé, entends-tu le doux son de mes divisions dans ton cul. Ouais. Là, je le prends, là. Hein. Bizarrement, hein, les infanteries 14, ça fait du bien sur le front. Hein. Ah, j'arrivais pas à passer à l'endroit quand j'en avais pas, mais par contre... Ouais, là, maintenant, moi, je le sens que c'est plus dur. Putain, il me faut 20 points en renforcement. Moi, il m'en faut 30, hein. Ouais, bah ça va. Ouais, bah je lui en donne un tiers parce qu'en fait, je fais tout le temps une rotation, j'attaque au nord, puis j'attaque au centre, puis j'attaque au sud, et ainsi de suite. Comme ça, ce qui fait que je tourne à chaque fois, et pendant que celles qui viennent de se faire renforcer sont en train de se refaire saigner, et ben... c'est joyeux chez toi, tu sais. Oh, y'a la milice, y'a les bons vieux Gruppo Colonial, la milice italienne, quoi. Oh, bah allez, mais dès que c'est les mignons qui se battent, le rapport est d'un pour deux, quoi, tu vois. Ouais. Oh bah, toi et moi, c'est du 1 pour 1. Par contre, ouais, avec les roast beef. Les roast beef, ils savent se battre au moins, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai perdu à Sidsley, putain, mais j'ai pris 64% de perte sur mes unités, quoi. C'est juste.
affreux. C'est beau, oui. Attention, ça... parce que le Qatar n'est pas, c'est ma popette, je vais envoyer mes légions qatariennes. Mes légions qatariennes. Là, là. En chameau, en me jetant des sauts de pétrole. Voilà, rala sans moqueur, on va tout casser. Tu vas lancer une djihad. Ouais, tu vas lancer un djihad contre l'Austro-Hongroise. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de pertes, hein. Oh, mais c'est effroyable, quoi. Ah, j'avais un magnifique bouquin là avec sur tous les fronts et tout, parce que c'est vrai que mine de rien on parle jamais genre du front bulgare. Non, on les connaît pas. On parle très peu d'ailleurs du front russe. Nous ce qu'on a, on a une espèce d'image d'Épinal du front de l'Ouest avec les gens dans leurs tranchées. Ouais, c'est ça, on a. Ou des charges à baïonnette qui sont inexistantes. Et, pas de... et même souvent les images qu'on a du front de l'Ouest sont complètement fausses. Et quand tu regardes, ouais, bah les pertes, 80% c'est des éclats d'obus par exemple. Ouais, c'est ça, c'est les éclats d'obus et les mitrailleuses. Hein. Bon! Voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi à passer ici. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Y'a Chouan qui est en train de mettre le paquet à Innsbruck, ça va passer, putain. Y'a combien de divisions à Innsbruck? Ouh, là je t'ai saigné, effectivement. Ah ouais. Voilà, on est en train d'enseigner à notre jeunesse ce qu'est la vraie vie et la mort. Ce qui est, voilà, une bonne guerre de temps en temps, ça fait du bien. Alors pour nos abonnés, vu que Chouan était beaucoup trop fort, j'ai décidé d'appliquer des règles strictes afin de brider l'ogre bourguignon. Donc il aura le droit à seulement 10 divisions étrangères en Italie et 25 divisions anglaises en France, plus 20 divisions dans les Balkans, vu qu'on va... Et néanmoins, il a le droit de garder autant de troupes de Néo-Zélandais, Australiens et compagnie qu'il veut en France. Et Younstar devra avoir 15 divisions dans le Caucase. Donc on va appliquer des règles un petit peu historiques, mine de rien. Puisque ça correspond à la taille du corps expéditionnaire anglais en 1918 et au nombre de divisions engagées par les Français et les Anglais en Italie. Ouh là là, je vais bientôt être en banque de ravitaillement là, avec tout ça. Tu veux que je t'enfile? Ouais, ce serait gentil. Nous t'envoyons des sacs de thé. Des sacs de thé, ouais. Oh my god, ouais, bah tout va être envoyé pour le tsar, bien sûr. Ah bah oui, rien pour les soldats. Hein. Mais il en a besoin, écoute. Chocolat 2, son petit thé au matin, c'est un rituel. Et tout à fait. Ah ouais, je perds quand même 78 par jour de ravitaillement. Ah ouais, 78. Ah mais t'es un grand malade. Parfait, je suis en train de tout augmenter en classe 1914, ça va être un peu mieux sur la prochaine attaque. Moi je suis en train d'améliorer en 1916. Ah mais c'est de la montagne en Bulgarie. Ah ouais, d'accord. Voilà. Cette partie-là, oui. Ah, c'est un terrain merdique, la Bulgarie, pour... Chouan, est-ce qu'avec le grec, à la limite, tu pourrais pas tenter d'attaquer les Bulgares qui sont en poste à Pristina? Comme ça, tu pourrais essayer de libérer le Serbe et ça referait encore quelques divisions qui poperaient directement. Je vais y penser. Est-ce que je peux débarquer sur l'Adriatique? Alors, tu peux débarquer où tu veux, mais t'as pas le droit d'exploiter sur plus de 2 cases. Genre, tu débarques, t'avances d'une case, et après, voilà. Ah bah. Ah, les Japonais, je les aime. Leurs étranges BD érotiques motivent mes troupes. Non, ce qui est bien avec les Japonais, c'est que là, je suis en train de leur filer des techs en échange de ravitaillement. Ça me coûte pas un rond, c'est super. Là, j'ai augmenté de 1500 pour 5 techs. Là, vu que tous mes points sont dans ma consommation, faire baisser ces 10 cents. Ok, d'accord, 45 divisions. 3 corps d'armée anglais. Putain, je vois de l'anglais partout encore sur le front, voilà. Putain, je vois... 2 corps d'armée anglais à Belfort, 4 corps d'armée anglais à Nancy. Mais c'est toutes des petits caca, il y a une personne, il y a un truc, tu vois. 21, 22, 23, 24, 25. Oh, j'ai beaucoup déplacé, là j'en ai au moins enlevé une dizaine, voire une vingtaine, ce front-là. Bah, je t'en autorise 25. Mais, non. Mais là, je dois être à 25, ou alors il y en a un près où j'ai pas fait attention, mais non, je suis à 25. Ok. Mais c'est juste que j'ai plein de petits groupes de 1, je fais pas comme toi qui fais des groupes tout clean de 3, tu vois, je fais... 1, 2, 3, 4, 5, rien à foutre. Mais merde, c'est quoi cette révolte là dans mon dos? Où ça, une révolte? Attends, ah non, c'est l'Albanie. Ah non, c'est la Grèce, putain. Non, c'est la Grèce qui s'est révoltée. L'Espagne a voulu une plante de torpilles précoce. Fils de pute. Putain, en Serbie, il y a des taux de révolte. Oh mon dieu, quoi, c'est 35%. J'ai pas eu une seule révolte. Ah, bizarrement. Alors que le grec, il est en hâte, alors que c'est à 0. Comment ça, défaite? Oh là là, 14 divisions. Wow. Ça fait mal en Bulgarie là. Oh merde, ça se révolte dans mon empire colonial. Ah ouais, non, ce sont tes anciens territoires. Ouais, ce sont mes anciens qui se révoltent. Ils veulent que je revienne, Chouan. Oh putain, et en Belgique aussi là. Bon, autant c'est que des nègres, hein. Oh, tout de suite. Mais quoi, c'est vrai. Y'a qu'une plage exploitable en Yougoslavie ou quoi? Ouais.
Oh la vache, avoir une armée russe moderne, c'est beau. Tu m'étonnes. Alors, Pépé, est-ce que tu veux un peu plus de RP? Si tu veux, j'ai un event, c'est déclarer la guerre à l'Empire Ottoman. Bah, étant donné que nous, on a eu quand même pas mal d'aide, ça peut... Bah vas-y, fais péter, hein. Voilà. Oh putain, il a rejoint direct l'Alliance. Alors, tiens, puisque j'ai des aéroports, je vais ramener mes bombardiers tactiques, on va voir ce qu'ils donnent. Bon, j'ai promis l'Empire à tous ces singes. Hein, qu'est-ce que tu leur as fait? Promesse d'un grand empire arabe. Oh là là, mais tu sais très bien que tu vas jamais respecter tes engagements. Mais en tout cas, je donnerai pas un état aux juifs non plus. Les pauvres juifs. Les pauvres? Tu rigoles quoi? Ah, le Hedjaz. Ouais, t'as du ravitaillement à me donner. Ben, plus beaucoup. Bon, je vais aller en piquer aux Japonais et aux Américains. Je suis en déficit exprès en fait, si tu veux. Notre flotte. Oula, j'avais pas vu ça. La flotte grecque s'est faite ouais, marrer ouais. Par les Austro-Hongrois. Oh, bah parfait, toute ma dissente a quasiment disparu. Déjà? Putain. Ouais. Bah là, je suis passé de 14 à moins de 7. Et en plus, vu que mes usines, là, mes PP sont en train d'augmenter avec ça, ça me permet d'augmenter ma production au niveau des renforts et de la modernisation. Putain, y a des Ottomans partout, oh là 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 là, ce singe. Bah il en a même envoyé en Suisse. Oh, mais là, la bouche. Vraiment? Ouais, il en a envoyé à Genève. Oh, j'avoue. Putain, t'as l'UDC qui va demander l'interdiction des minarets en Suisse, là. Remove kebab. Non mais t'inquiète pas Pépé, je vais en prendre le plus grand soin de tes autos. Ouais, bah soit pas trop quand même hein. Oh mais tout ce qu'il a redéployé en Suisse, putain. Bah attends, je vais virer les divisions suisses, ça ira plus vite hein. Colossal débile. Oh il a même pas un redéploiement stratégique. Oh non. Non, je vais devoir tout taper manuellement. Toutes mes troupes maintenant sont passées en classe 14, si ce n'est quelques-unes encore sur le front. J'ai encore plein de trucs en 1916. En 1907. Ah ouais, putain. Ah, c'est clair que si tu mets pas de points dans la modernisation... Bah, j'en ai mis 91 là, j'ai tout rattrapé. Parce que, attends, rien que pour la modernisation, moi j'en ai besoin de 600. Ah mais toi c'est parce que t'as une armée absolument monstrueuse aussi. Hein. Ouais. Oula, putain. Enfin, mais pourquoi il sort sa flotte, ce crétin de grec? Mais ouais, putain. Ah, la Pologne est toujours... Encore? Ah tu reprends 5%? Oh mais non, mais putain. Allez, mange, putain, j'avais réussi à faire baisser Madison, c'est comme si j'avais rien fait, quoi, merde. Non, fais chier, là, vraiment, fais chier. Bon, bah, pour l'instant, c'est... Oula, j'ai encore plus de ravitaillement, là, vite. Tiens, je vais aller voir le Canadien, il en a peut-être. C'est un satellite d'un pays, le Canada? Ouais, de l'Angleterre, je pense. Oh, putain, tu peux pas le libérer, je crois, que je puisse faire des négociations avec lui. Non. Oh, enfoiré, ça, le juif, là. Le mec, une star qui rêve, tu sais. Bah, je sais pas, peut-être que je vends dans un élan de générosité. Chouan, générosité. Oh. Hey, attention, tu vas commencer à m'insulter, là. Putain, j'avoue que moi aussi, je suis à sec de beaucoup de choses, quoi. Oh là là, j'ai pas de thunes, j'ai pas de ravitaillement. Ouais, c'est très dur, là. Moi, je suis vraiment en manque complet de ravitaillement, parce qu'à cause de cette punaise de dissidence, là, j'ai encore baissé du IPP, punaise. Je suis à court de fric. Je suis à 7%. On va appeler Laurent lui, il va nous faire un congrès sur comment gérer la dissidence. Les rebelles en Grèce, ils font le café, hein. Mais ouais, putain, j'ai quasiment plus d'instabilité, ça c'est une bonne nouvelle. Allez les rebelles, allez. Mais comment ça se fait, les Grecs étaient en train de gagner. Où les navires italiens, allez. Oh, le duel de singes qu'il y a. Oh, je viens de faire un cuirassé. Et un sub. Oh, je vais détruire une division grecque, ça c'est fat. Elle est pas arrivée à temps, c'est n'importe quoi. Je lançais bien avant. Oh, ça m'énerve. C'est quoi ce rayon d'action de merde? Oh là là, mais j'y crois pas, putain. Mes destroyers, ils ont que 2000 de rayon d'action. Je peux même pas sortir de la mer Noire. Bah tu peux pas, de toute façon, il y a le Bosphore. Ouais, ça bosse dur là-bas. Ouais, elle était presque bonne, je crois. Tu me l'avais jamais faite, celle-là. Le Bosphore aussi, sûrement. Oh non, je crois pas. Tu m'en as fait des vertes et des pas mûres, je me rappelle de tes blagues, hein, t'sais. J'écris un livre à chaque fois que t'en dis une, comme ça je note et après j'essaie de les sortir en société, t'sais. Putain, j'espère que je serai prêt pour l'assassinat de Rasputin, parce que si je me prends de la dissente à cause de ça... Comment il est mort, Rasputin, d'ailleurs? Il s'est fait assassiner par le frère de Nicolas II. Par le prince Youssoupov. Comment?
Alors. C'est tiré dessus à bout portant, je crois. Ah, simple. Évidemment. Non, alors tentative d'empoisonnement cyanure qui a échoué. Ouais, il y a un peu. Il a tiré dessus. Le femme qui a tenté de le poignarder aussi, je crois, ça a échoué. Peut-être écrasé à coup de poing, à coup de je sais pas quoi, parce qu'il a été tabassé après. Puis il est jeté dans un lac. Et alors, selon la légende, il est mort noyé. Donc, ça veut dire qu'il serait encore, il aurait été encore en vivant au moment quand on l'a balancé dans l'eau glacée. Mais c'est peut-être un mythe, ça, parce que genre, t'as pas droit au paradis dans la culture russe si tu péris noyé. Ah ouais. Et faut dire que quand même, le mec, ouais, il était aussi à nu, il s'est fait tirer dessus trois fois, la tête non, écrasée. Ça, il y a peut-être des limites, quoi. Oh, les divisions anglaises qui arrivent là. Oh putain, 8 divisions, waouh. Putain, comme si le grec il était pas suffisamment en danger, il y a les rebelles qui foutent la merde. J'avoue que ça me fait bien plaisir. Ouais, il y a de quoi. T'es un peu un colossal fils de pute quoi. Bah, c'est moi hein. Général Hazan Izzet. Oh, il a une belle moustache par contre, beau gosse. Camille, ah, il est c'est poilu hein. Ah, bah, tu sais hein, un anulingus avec une moustache, ça frétille hein. T'as quoi, petit ça quoi. Bah, je suis à zéro de ravitaillement. Pff, putain, je suis obligé de leur donner à bouffer, quoi, ils font chier.